Oh là là. What, faut aller où? Oula. Oula, ouais, ouais. Ok, non, ouais, tout va bien. Il y avait un espèce de lag, je vois même pas ouvrir mon scanner, rien du tout. Ce cadavre qui va me marquer à vie, quoi. Si tu débarques comme ça, t'sais. C'est mon bridge. J'ai eu la tablette. Colonel. Oh, il va faire la gueule. Où tu vas faire la gueule? Réussissez ce coup-là, et je serai votre plus grande fan. Alors, je l'ai réussi, mais... Faites ce qu'il faut pour survivre. Vous servirez plus 6 pieds sous terre. J'ai dû me niquer quelques d'ici, mais j'ai votre tablette, voilà. La discrétion a pas marché, hein. Putain, vous les avez tous éliminés. Ça va être utile aux strikers. Ah, ah. Bienvenue au club. Tout le monde pense que les strikers du reflux sont hors jeu. Maintenant, on sait où les disciples récupèrent leurs armes. Le vent tourne, je le sens. Ouais, Oh, il sourit, oui, là où il sourit, là il est content, là il est content d'avoir une bonne recrue, là. Ne vous emballez pas, je ne sais pas encore ce que je pense de vous. Bah ouais, j'ai envie de dire ça un peu, hein. Ouais. D'habitude, on fonce direct. Mais pour vous, je vais faire une exception. Vous devriez saluer le reste de la bande. S'ils se montrent pas plus sympa, dites-le moi. Et je leur en toucherai deux mots. Reposez-vous un peu, puis allez voir Hatchet. Elle vous donnera l'équipement nécessaire pour un job que j'aimerais vous confier. Ouais, Hatchet et Clank, c'est ça? Oh, le masque des strikers! Oh la thune! Quoi, le masque, fais voir? C'est une tenue peut-être? Oui. Masque des strikers. Oh! What the fuck! Ah oui, non, mais là c'est ah oui! Ah oui! Je suis la mort! Putain, on dirait un pilote impérial qui s'est reconverti en contrebandier! Holy moly! En plus, c'est marrant, ça dit masque de striker, mais non, mais il y a la tenue et tout! Hein. Ouais, peut-être, hein, peut-être! Hein. Où est-ce qu'elle est? Non, reviens-toi! Oh, je me sens un peu à l'ouest. Et pas dans le bon sens du terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous faites partie du gang alors, hein? Bon bah, bienvenue. Vous inquiétez pas si les hooligans mettent du temps à vous apprécier. Ils aiment pas trop les étrangers. Je suis pas un étranger? Tout le monde est sympa avec moi, que voulez-vous dire? Je pensais que vous étiez du Kuing. Moi? Non, mais j'y crois pas. J'étais marchande. J'avais un taillot haut de gamme, un compte en banque bien rempli. J'étais au sommet de mon art. Puis je me suis écrasée sur l'Astral Lounge et hop, tout s'est évaporé comme par magie. Je me suis réveillée dans le caniveau et j'essaie d'en sortir depuis. Je comprends que ouais, d'avoir qu'est-ce qui vous retient dans le reflux? Tout ce foutu système est truqué. Vous finissez dans le lounge et tous vos crédits disparaissent. Et quand il vous reste plus un rond, vous devenez un autre junkie du reflux. Impossible de gagner des crédits et de vous en sortir. Sans les strikers... Enfin, vous voyez le tableau. Il doit y avoir une morale bien cachée derrière cette histoire. Et j'en suis l'incarnation. Bref, il vous fallait autre chose? Vous avez arrêté l'horreur? Ouais. Enfin... On peut dire ça. Putain de drogué! Mais putain, défoncé à l'aurore, c'est incroyable. Putain de camé, quoi. Ça peut vous dévorer de l'intérieur. Un bon conseil, jouez pas avec le feu. Oh, t'inquiète. C'est quoi votre rôle dans le gang? J'ai quelques combines pour survivre. Et je suis pas trop mauvaise pour jouer au bandit de grand chemin. Pour l'instant, j'ai pas eu à tuer trop de gens. Mais les temps sont durs maintenant. Tu feras une bonne coéquipière, c'est moi qui te le dis. À la prochaine. Tu veux pas venir partir de mon équipage? Bon, bref. Je lâcherai rien. Néo me vaincra pas. Attends-toi là. Vocal. Se protègent les uns les autres. Calmez-vous. Vous faites partie de l'équipe alors. Bien.
Briggs est peut-être le chef, mais je suis son bras droit. Un conseil, restez dans mes bonnes grâces. Nous, c'est vous... Non, c'est vous qui devrez rester dans, les bo... dans mes bonnes grâces. Oh, oh vas-y, vas-y, vas-y. Vous cherchez la merde. Je plaisante. Allez, vas-y, je taquine. Vous partez de notre famille de ratés maintenant. Je taquine. Vous arrivez dans une période un peu chaotique. Il n'y a pas si longtemps, on a eu une attaque des disciples. Maintenant, on se cache comme des rats. Des rats. Faut faire quelque chose. Des rats de néon. Comment les disciples ont réussi à vous battre? Ils ont un sacré bon matos militaire. Que peut un vulgaire couteau contre une graine d'aile automatique? Un lance-patate. Avant ça, des pouvoirs mystiques. Mais maintenant, ces salauds sont beaucoup trop armés. On a essayé de faire front. Et après les funérailles, on s'est replié. Comment en êtes-vous arrivé là avec les disciples? Il y a quelques années encore, tout allait bien. Ils avaient leur côté de la ville, on avait le nôtre. On a eu quelques malentendus, mais Briggs arrangeait toujours les choses. Mais un jour, les disciples ont voulu s'emparer du reflux. Depuis, c'est la guerre. Ok. À plus tard. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, je vais pas tarder à arrêter, on... Mais on est vivante, et se nourrit de notre douleur. De la mort. Oh. Vous avez survécu. Andrea pensait que Briggs voulait votre mort, d'où le renvoi. Elle s'est trompée. Je manquerai pas de remercier Andrea. Pourquoi est-ce qu'elle m'a rien dit? Ouais, non, je vais dire ça. Andrea fait ce qu'elle a à faire. Ça impose le respect. Chacun joue au dur parce qu'on n'a pas le choix. Ces rues, ces allées, c'est tout ce que je connais. Les faibles se font bouffer et sont laissés pour morts dans le caniveau. Il fait pas bon être faible. Ça va remonter le moral des troupes, dites donc. Amusant. C'est pas ce qui vous gardera en vie. Donc, on doit faire comprendre à la rue que les Strikers sont de retour. On a des signes qui délimitent notre territoire. Pirater les signes sera facile. Y accéder ou affronter les disciples autour sera une autre paire de manches. T'inquiète. Je veux éviter un bain de sang. Je suis pas d'accord. Il faut les signer dès que possible. Le meurtre. Oh, le sang va couler, Mumba. Le sang va couler. Bien. Si vous avez besoin de trucs, je peux vous aider. C'est mon job de m'assurer que les Strikers ont tout ce qu'il faut. Bonne chance. Pirater le troisième panneau, oulala. Assieds-toi et prends un verre. Mais qu'est-ce que... Madame Sauvage? Ah, bon, bah, ouais, tout va bien, oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. On discute, on discute. On discute. On discute. On va faire ce bout de quête, puis on va s'arrêter là. Juste pour voir qu'est-ce que ça débloque comme suite. Au pire, demain, on prendra Vasco avec nous. Voilà, lui, Vasco, il se pose pas de questions, lui. C'est une boîte de conserve. Ou sinon, on recrute Sarah. Au moins, elle posera pas de questions. LOL. Merde, merde, qu'est-ce qui se passe? Mais ça choque. NON! Mais ça choque mon ma! Barre-toi! Oups! Quoi, j'ai une prime ou quoi là? Je pensais pas ça faisait ça. Vous avez décidé de vandaliser Néon, hein? L'amende va être très salée. Ah non! Il y a zéro tolérance. Dans ta gueule! Vous savez quoi? Payez l'amende maintenant et non vous un avertissement. Sinon, ça peut mal tourner. Sérieux, c'est pas mieux à faire que de racoter à ras des rues? Oh! Ce serait mauvais genre si c'est ce que Néon tabassé ou tue un touriste. Oh Mumba, merde, Mumba! Peut-être. Mais quand vous décidez d'afficher un... signe des Strikers. Oh merde! Ça dépasse les bornes. Oh putain, le test de perception! Oh merde, Mumba, c'est la merde! Oh, je vais tenter. Oh, si, attends, il faut faire combien là?
8. J'ai pas Velocity, bordel. Est-ce qu'on tente le plus 6, Mumba? Là, il faut burst, hein. Oh, quel bâtard. Quel bâtard. J'ai 0 bonus, hein. Le plus 6. Imbécile, vous avez grillé ma couverture. Ouais, je vais pas tomber dans le panneau. Ta gueule. On m'a donné l'ordre de venir ici, quoi? Personne vous a rien dit? Personne m'a rien dit. Oh, vas-y. Quelque chose va pas ici. Putain. Vas-y, je vous ferais mieux de prendre une décision, je la prendrai pour vous. Ouais, vas-y, nique ta mère, allez, vas-y. Oh, tu me casses les couilles. On n'a plus rien à se dire. Soit vous payez. Non, soit non, non. Pour avoir résisté à l'arrestation. Sérieux, j'ai pas mieux à faire que raconter un rat des rues. Ah, vous êtes d'ici. Ah. D'accord. Dégagez et me le faites pas regretter. Merci, monsieur. Mumba. Ok. Maintenant, oh, faut que je fasse gaffe, Mumba. Oh putain. Salut. Ça, il est pas si méchant. Oui, il est moins casse-couille que les autres. Mais attends une seconde. Ah, le troisième, il est ailleurs. Ok. Après, attends, Mumba, attends. Merde, je l'ai pas. Attends, Mumba. Sois intelligent. Oh, le test de persuasion, quoi, putain. Ah non, mais oui, non, mais j'ai rien dit en fait, d'accord. C'est pas là où je dois aller. Oh, ouais, j'aurais dû continuer à courir, quoi. Je me suis dit, est-ce qu'il va vraiment me suivre dans l'ascenseur et tout? Bah oui. Connard. Qu'est-ce qu'on a là, monsieur? Oh. Qu'est-ce qu'on a là, monsieur? Je préfère encore faire ça. Il faut monter, hein. Putain, quelle galère, hein, ce Limouma, quelle galère, hein. Entre Gideon et ça, là. Oh là 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 là. Et moi, bah, en fait, je pensais tout simplement, c'est en mode, oui, payez-moi 17 000. Oh merde. Oh, vous êtes sérieux, là? J'ai tout loupé. J'ai pas loupé. Lance patate. Oh, t'es sérieux, mec? Par contre, les dégâts du lance-patate, bon, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça, Mumba. Hein. Ça manque un petit lance-roquette, là. Ah, du coup, c'est ça, là. Ouais. Ok. Oh, Mumba, est-ce qu'on tente, Mumba? Y'a Makaki. Non, mais par contre, ça c'est une blague, ça c'est une blague. Voilà, Mumba, ça c'était avant mon entretien, regarde. Regarde la tête, avec ce connard de Gideon. Je pensais que le cap serait matérialisé à 3000%. Mais non. On recommence, attends. Aïe. Là. Hop. Et regarde, Mumba, regarde, hop, regarde. Regarde, c'est propre. C'est propre. Merde, où est-ce que je suis? Oh, c'est quoi cet endroit? Non. Ah, bonjour. Ni vu ni connu. Bon, on a fait des explosions et tout, bon, tout va bien. Alors là, par contre, ça sent encore la sécurité ici, là. C'est pas moi. Qui
Désolé encore madame, mais bon. Il fallait pour la quête, il fallait. La prochaine fois que je fasse une connerie comme ça, vraiment je pense à dire à mon compagnon, casse-toi quoi. Casse-toi, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi c'est ouvert là? Hein? Pourquoi une fléchette jaune là? Hein? Ça veut pas rentrer dedans là? Les disciples paieront. Et avec les intérêts en prime. Ouais, ouais, je pense que vous allez bien vous intégrer. Très bien. Vous avez vraiment mis le feu aux poudres. Parfait. Andrea s'occupe de récupérer les flingues. J'aimerais que vous et Vogel vous occupiez des disciples. Oh, ah, Vogel, ok. Ça y est, enfin. Il est temps, Vogel. On retient plus les coups. Essayez de limiter au maximum les dégâts collatéraux. La guerre, Mumba, la guerre. On va tout défoncer. C'est pour ça que j'ai signé pour éliminer les disciples. Je ne recurrai, ouais. Les disciples, en vrai, je m'en fous. Je ne ferai pas mal aux innocents. Ouais, vas-y. Si ces gens sont au mauvais endroit au mauvais moment, vous aurez peut-être pas le choix. Terrible. Tout est permis lors des guerres de gang. Faut l'accepter. Organisez-vous comme vous voulez tous les deux. J'ai une requête. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais oui, il a des armes en stock. C'est pas de l'équipement militaire de Ranger, mais c'est toujours mieux que les logs des Strikers. Alors si vous pouviez acheter quelques améliorations, et peut-être convaincre Newill de nous en vendre. Vous avez raison, vous demandez beaucoup, vraiment beaucoup. Oui, je vois ce que les je veux faire. Les Strikers vous en seraient très reconnaissants. On va négocier. On vous remboursera avec intérêt les crédits que vous dépenserez. Oh là là, intérêt 300%. Les Strikers vont faire leur retour. Les striqués. Om nom nom nom. Par contre l'XP hein, c'est des miettes d'XP hein, c'est pas terrible hein. Oui madame sauvage, tout va bien, calmez-vous. Calmez-vous. Ah oui. Qu'est-ce que je te sers aujourd'hui? Du Velocity, comme d'habitude. Oh. La drogue. La drogue. Ah c'est lui Newill, ouais. Je confondais mais si c'est soit lui soit le mec avec son robot là. Bon Newill, il faut qu'on discute Newill, attends. Déjà à ta santé. À ta santé Mumba. James, ne t'énerve pas, mais l'administrateur Bayou est. Je s'en fous de Bayou. Je voudrais acheter une armure pour les strikers du reflux. Oh le gros sourire. Putain, on dirait tellement comment il s'appelle là? Ah, j'ai oublié son nom, au secours, chatillé. Celui qui faisait le bouffon vert là, le premier Spider-Man. Il ressemble tellement. Vous a demandé de venir me voir. Ces gangs sont dangereux. Je veux pas me mêler de ça. Oh, toi tu vas pas avoir le choix. Je paye en cash maintenant. Pourquoi refaisez-vous? Ouais, bon, je suppose. Ce sont de maudits parasites. Des voleurs et des assassins. Et la sécurité n'en a rien à faire. Super. Nous autres commerçants, on doit bien fixer une limite. Celle-là, c'est la mienne. Si Stryker ne récompose pas, les disciples gagneront et ce serait mauvais pour tout le monde. Ouais, je vais essayer de dire ça. C'est vraiment... le moindre mal. D'accord, c'est bon. D'accord. Vous payez et j'enverrai son armure à Briggs. Mais ce sera la seule fois. Je veux plus me mêler à ces conneries après ça. Étant donné les circonstances, que direz-vous d'une remise? Mumba! À toi, Jay Mumba! Sachant qu'on a le Velocity en nous. Oh! Faut faire 6, Mumba! 6! Est-ce que Mumba tente le 5 direct? C'est pour mettre speedrun. Oh là là, Mumba! J'aime bien Mumba, toi t'es joueur, hein. Toi t'es joueur. Vous ne devez pas avoir beaucoup de boulot si vous pensez que les gens sont prêts à payer ça. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen. Mumba! Aïe 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 aïe. Putain mais ça passe pas les persuasions aujourd'hui là. Vous pouvez voir ça avec moi ou avec mes amis, croyez-moi, il vaut mieux que ce soit moi. Ça ne marchera pas sur moi. Comment ça? On est dans la merde Mumba. Non mais sérieux.
Non, vous ne comprenez toujours pas, laissez-moi vous expliquer. À moi. Le moins 1 à ce stade-là, faire le plus 1, Moomba, non? Moomba qui a dit moins 1. On tente le plus 2, non? On essaie de bourrer un peu plus. Allez, Moomba, allez. Est-ce qu'on tente le plus 2? Allez. Je peux pas me le permettre, tant pis. Vous savez quoi? Je vous aime bien. Allez, 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 Moomba, on continue. On fait que des plus 2, je pense. Ouais, je pense. On tente le plus 4. Ou sinon, on est genre le plus 4, Moomba. On tente le plus 4. Allez, vas-y. Alors, le fou. Qui sait combien de temps vous devez attendre avant de recevoir une nouvelle offre? L'expérience montre qu'il vaut toujours mieux attendre la bonne offre. Fadre et Moomba prendre ou à laisser. Putain! Vas-y, prends ta chiasse! J'enverrai cette armure chez Madame Sauvage. Connard! Mon... 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 Pardon. Tout raté, non mais c'est ouf, mais merde quoi! Oh mais c'est un truc de fou! Et salut, salut Maxou, j'espère que tu vas bien. Passer de Velocity en toi, non mais... Bon, ça y est, j'avais pas ma tenue aussi, Moomba. Mais bon, ma tenue, c'est plus 5%, mais merde, quoi. Oh là là! Bon, vraiment qu'on mette un point en plus en persuasion, hein. Et en plus, et... non mais Moomba, j'ai 15%, 10% en persuasion niveau 2. Même pas un jaune qui passe, quoi. Même pas un petit jaune, un petit jaune. Ah, je suis très mauvais là. Hein. Oh là là, Devladette, c'est pas son jour là aujourd'hui. Hein. Oh là 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 là. Je suis énervé là, pas du tout. Bon, t'as vu Maxou, il y a quelqu'un qui a, comment dire, on va dire que, bon, elle a pris un peu trop de velocity quoi. Ne me demande pas ce qui s'est passé. Hein. Bon. Ne vous inquiétez pas pour moi, j'en ai toujours rêvé. De quoi, de la mort? Enfin, Briggs me laisse frapper les disciples là où ça fait mal. Ça fait des semaines que je lui dis de lâcher son meilleur élément. Merci de l'avoir fait changer d'avis. Alors on peut y aller, je vais y aller. Attends une seconde. Merci pour l'échange. C'est bon. Les disciples vont payer pour ce qu'ils ont fait. Ouais. Essayez de pas vous faire tuer, d'accord? T'inquiète. Enfin, ça fait des... Ouais, vas-y, ouais. Vous êtes pas comme les autres, vous. Le plan est simple. On frappe autant de leurs gars que possible dans les rues. Chaos maximum. Oh là là. Comme ça, Andrea okay. Débarque dans leur cache d'armes et pique des gros flingues pour qu'on puisse vraiment s'amuser. C'est un bon plan. Briggs est pas le seul cerveau par ici. YOLO strat. Trois groupes de racailles à gérer. Mega et moi, on s'occupe des autres. Ça va être marrant. Vider les, ouais, les planques des disciples, ok. Alors là, c'est pas. Que t'es pas là pour causer des problèmes. Madame Sauvage, je fais ce que je peux, mais la Death des stats n'est pas avec moi aujourd'hui. Et pourquoi vous avez fermé cette porte aussi là, hein? Pourquoi vous avez fermé cette porte? Pour la peine, voilà. Ça sert à rien, c'est nul comme photo, c'est nul. C'est nul. Vous avez déjà goûté un Velocity? Si tu savais le nombre que j'en ai bu, mec, le nombre de Velocity. Oh, oh oui, un Velocity. Oh, c'est Moomba, enfin Maxou, sacré live, hein, je me suis engagé dans une corpo qui fait l'espionnage d'entreprise. Après j'ai dû tuer un innocent là-dedans pour débloquer une porte parce que la porte était buggée. Ça fait que j'ai un camarade là qui me boude à mort dans le vaisseau là, Gideon là, le stagiaire. Et maintenant je suis embarqué dans des histoires de gang. Et il y a un mec qui m'a proposé une affaire chelou où je vais tuer son employé. Donc je lui ai dit ouais, on verra ça demain. On verra. Sacré programme aujourd'hui, hein. Oh là 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 là. Oh non non. Vous avez déjà vu des spaciards? Les spaciards. Spaciards de ces morts.
Bon, en même temps, Mumba, le tas de persuasion aussi, on a joué avec le feu, quoi. Mais c'est ouf quand même qu'on que deux jaunes de loupé, quoi, que tous les bonus que j'ai. Ouais, je sais que c'est un problème. Ouais, ouais. Si on aura pu, ouais. Oula. Ah, carrément, là, comme ça, là, je tire dans le tas, là. À part si tu veux quelqu'un pour débugger une porte, c'est normal. Bah oui, mais putain. Non, en fait, je suis con, j'aurais dû dire à Gideon, vas-y, tu peux aller au vaisseau 30 secondes, là, j'ai une affaire à régler. J'aurais dû mettre un petit coup de poing à la meuf là pour débloquer la porte. Mais attends là, on y va là, en mode YOLO là. Bonjour. J'ai enfin pu économiser. On se promène chez les disciples. C'est trop facile. Mumba, est-ce qu'on y retourne? Partez d'ici et personne n'aura besoin de mourir. J'ai plus quoi encore. À l'attaque. Tant pis. Oh merde. Oh non. Oh là là, très mauvais. Non mais mec. Putain mais connard. Oh bâtard, 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 bâtard. Oh, je suis très mauvais, hein. Ah, bonjour. Grenade. 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 Oh, toi, je te vois, toi, mec. Oh, tu crois te planquer, mec. Grenade. C'est comme ça qu'on règle les histoires de gang. Ah oui, tout ça c'était juste une planque. Eh ben couillon. Par contre je vais te charger comme un enfoiré. Ah non. Ah non. Ah non. Il est mort où? Bon bah, moi j'ai son arme. Allez, tant qu'à foire est trop tard. Ouais, non, non, ouais, non, non, là c'est bon. Là je pense que Mumba, je pense que Devladette en aura le cul là. Et en mode, vas-y, vas-y, niquez-vous. Nique. Je pense que c'était du persuasion aujourd'hui, Mumba, là c'est trop. Là c'est trop. Comprends bien que Devladette, au bout d'un moment, elle est en mode, vas-y, vas-y, ça me casse les couilles. Par contre, ce soir là, j'ai une aim de sac à merde. Quoi, mais il en reste? Mais please. Mais comment ça? Mais bordel, mais. Tu vas crever. Les murs sont bizarres ici, hein. Ouais, ouais, c'est une journée classique, hein, t'inquiète, mec, hein, t'inquiète. Allez, 203, ouais, je préfère. C'est une journée classique, t'inquiète. Putain, mais cette arme, elle est bizarre, hein. C'est ce que je pense, là. Oh. Oh là là, oh là là. Oh là là, on le lance. On le lance patate. Explosion! Destruction! Pardon. Vite et bien fait, hein. Nom 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 nom. Voilà, voilà. C'est comme ça qu'on règle les problèmes, à coup d'explosion. Ok, parler ça marche pas, je laisse causer les flingues. Voilà, Maxou. En plus, c'est ta façon, Maxou, de ce que j'ai compris, de ce que tu m'as dit l'autre fois. Voilà. Est-ce que t'es content, Maxou? Rentrez, monsieur, rentrez. Tout va bien, ça se passe dans votre... Allez, un petit footing. Allez, un petit footing, allez. Hop, 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 hop. Allez, allez, on s'amuse, on s'amuse. On s'amuse. Oh, le mec. Complètement kill, kill, kill. Ok. Andrea, j'ai tué tout le monde. T'es fier de moi? Ouh là là, ou l'armure, le stuff. Ouh, le stuff, qu'est-ce qu'on fait ici? Moi aussi je suis équipé, Andrea. Ouais, je vais prendre ça. On a les flingues, Bleuzaille. J'ai débarqué dans la cache et bang bang. Elle bang bang. Comme Luigi, bang bang. Tout ça grâce à mon nouveau meilleur poteau. Vous avez eu des problèmes?
Meilleur poteau, j'ai un pétapas jusque là. C'était du gâteau, ouais. Pareil pour moi. L'élément de surprise, quelques balles et aucun souci. Tout se déroule comme prévu, Briggs. Parfait. Frappons-les là où ça fait mal. Cet entrepôt est très important pour eux. Je vais pas mentir, ça va être compliqué. La poiscaille, on n'en serait pas là sans vous. Comment ça, la poiscaille ? Comment on s'y prend ? On fait tout péter ou on reste en retrait ? On fait tout péter ! Restez là et faites en sorte qu'on... Non. On l'enfonce dessus ensemble ! Ils vont rien voir venir. Max approuve. Vous connaissez le plan. C'est parti. Let's go ! On défonce tous ces connards ! Je sors le lance-patate ! On y va comme... On fait tout péter ! Vas-y, Devladette, c'est bon, là. Vous êtes où ? Grenade ! Grenade ! On fait tout péter, Maxou ! Autant, mon pote. Grenade ! Grenade ! Grenade ! Je fais tout péter ! Comment ça ? Qui me tire dessus ? What the fuck ? Ah, papa. Grenade ! Grenade ! Grenade ! Je vais tout péter! Je vais tout faire péter! Vous m'avez cassé les couilles, tout le monde sur Néon! Gideon! La citoyenne du bar! Des mains sauvages, tout le monde! Vous me saoulez! La récré est finie, descendez tout de suite. Oh le boss! Il est où? Oh le boss! Tu vois, attends. Je vais voir le boss là, attends. Avec quoi je vais le... La bouboule. Ah ouais ? Je lâche pas mes armes. Je clique solo, je partage pas là. T'inquiète pas. Ah si. Oui, il est dans mes souris, ok. Ah bah tout de suite l'ambiance on s'est calmé. Attends je loot vos potes là. Bordel. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Ah mais c'est la sécurité de Néon. Oh shit. Ah oui non. Oui, si vous avez pas une armure de disciple vous. Oh merde. Vous pensiez que la sécurité de Néon... Oh merde Franchement ouais, vous avez été un peu violent. Il y a eu quelques meurtres. J'ai cru comprendre que c'était de votre faute. Qu'est-ce que vous foutez dans mes rues? Écoutez, bon, c'est une fête qui a mal tourné. La Gatling incendiaire, ça a senti un cachet. Ouais. C'est pas ma Gatling qui est incendiaire, Maxou. C'est mon armure de Mantis. Elle a une chance de cramer les mecs autour de soi. Ils ont fucking note. J'ai fait votre boulot, pas à peine me remercier. Ah c'est pas mal ça, déjà vas-y, allez hop. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est mon boulot. Oh attention. Voici ce qui va se passer. Par ici, les violences de gangs qui font trop de bruit nuisent aux bénéfices. Personne ne doit nuire aux bénéfices. Parlez-en aux disciples. Non, c'est vous qui allez le faire, monsieur Briggs. Les disciples me gonflent depuis trop longtemps. Vos camarades et vous abandonnez le bleu des rats d'égout et portez le noir de la sécurité de Néon. Ou on vous retrouve la gueule dans le caniveau. Quant à vous... Mais non ! Il tente partir. Oh merde ! Briggs est malin. Il fera le bon choix. Vous engagerez après tout ce qu'ils ont fait ? Quoi de mieux que son propre gang pour combattre la violence de gang ? Oh non mais ça me plaît pas moi ton plan là. Croyez-moi, ils auront toute leur place à nos côtés. C'est-à-dire que je suis libre ? Vous êtes libre de vous éloigner d'ici le plus loin possible. Plus vous serez loin, mieux ce sera. Bridge, c'est un plan cul ! N'accepte pas ! Une offre aussi surprenante que généreuse, ouais. Envoyer des rats combattre des rats. Des rats ! C'est élégant, non ? Ne traînez pas. On doit former les nouvelles recrues. Mais non, mais comment ça ? Eh non, Bridge, allez... Attention ! Tu vas me parler, enculé ? Oula. Bon, vous voilà. Rassemblement. Je suis pas en plein délire, là ?
qu'on devienne des le zoom sur sa tête. Merde, on pourrait se trouver une vraie piole. Peut-être même en dehors du reflux. Briggs, j'en suis. Comment ça? La sécurité de Néon serait réellement prête à oublier tout ce qu'on a pu faire? Pourquoi pas? Tu penses vraiment qu'ils se soucient de qui poignarde qui dans le reflux? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est de la bite. Oh, franchement, ça va se finir comme ça, là. Je n'arrive pas à croire à quel point la sécurité qu'on peut rompre dans cette vie. Bah, j'ai grandi ici, donc ça, voilà, on s'en fout. Ah, oh, c'est de la merde, c'est de la merde. On peut pas tuer le mec en face. Bon, après, voilà, t'auras toute la sécurité de Néon à dos, quoi. Oh, putain. Ouais, c'est votre chance de sortir du reflux, prenez-la, ouais. Pff, ouais. C'est presque trop vrai. Quelqu'un s'y oppose? C'est maintenant ou jamais. Personne? Bien. Très bien. C'est nul. Je vais en informer Owen. Je peux pas dire que je m'y attendais. Je sais pas quel dieu ou déesse a décidé de nous aider. Mais on l'oubliera pas. Si demain je vois les Strikers s'en aller, oui voilà. On a toujours voulu survivre. Là, on a une chance de prospérer. Vous pouvez pas me laisser Andrea en échange? On peut pas dire que vous l'avez pas mérité. Trafic du Mans. À bientôt. Mais non! Nettoyeur de rue, ouais. Oh, connard. Ouais. C'est vous qui avez fait ça? C'est presque remarquable. Presque. Ouais, j'ai peut-être un peu pété une pile, ouais. Andrea, tu peux pas venir avec moi? J'ai une place sur mon vaisseau. Moi, tu seras. Au moins, voilà, tu seras pas aussi casse-couille que Sarah ou Samco ou tous ces connards là. Andrea, s'il te plaît. Où est-ce que vous sortez, vous? Manaya Adams cherchait quelqu'un de discret pour un boulot. Visiblement, c'était pas mon cas. Andrea. Enfin, je peux me barrer de cette décharge. Non. Enfin, je peux me barrer de cette décharge. Enfin, je peux me barrer de cette décharge. Enfin, je peux me barrer de cette décharge. Enfin, je peux me barrer de cette... Nick! Je sais toujours pas quoi penser. Un vrai boulot. C'est incroyable. Bridget. On vous doit une fière chandelle. On n'oubliera jamais. Eh ben c'est nul. Je vais pleurer. Je vais pleurer Mumba et Maxou, voilà. On avait une candidate potentielle. Elle va finir flic. Putain, mais please. Quel gâchis. Quel gâchis de... Quel talent gâché, quoi. Oh, ce talent gâché. Il est quelle heure, là? 10h33. Est-ce qu'on finira pas sur cette quête? Allez, allez, Mumba, allez. Mumba, le dernier test de persuasion, c'est le moment. C'est le moment, Mumba. Bon, le... J'ai le temps... Normalement, j'aurais le tuer. Bon, Maxou, il va me dire, ouais, faut que je le tue. Mais bon, attends. Maxou, tu connais pas les bails. Parce que là, le mec qui m'a donné cette quête, je l'aime pas. Donc, faut pas s'attacher aux gens. Mais Maxou, je rappelle qu'on a monté un équipage de pirates. Donc, pour l'instant, on a zéro candidat. Hein. Aïe. C'est pour ça, faut que je m'approche de la flotte des Carnac. Faut que je m'approche d'eux. Regardez qu'il y a une arme là. Une arme Laredo, qu'est-ce que tu racontes? J'ai une arme Laredo moi? Non mais y a pas de marque, on n'est pas sur Borderlands, qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Bon. Mumba, prépare-toi Mumba, prépare-toi. Prépare-toi. Oula. Ah mais c'est un clan. Ah mais c'est encore les c'est connards. Mais comment ça? Bon bah d'accord. Bonjour. Bon bah Mumba, je pense que ça va être mais oh. Bonjour. T'as combien de balles là-dedans? J'en ai 254. Vas-y, monte-toi petit rat. Oh les mains, t'es cerné. Perdu.
Oh. Marchandé Félix. Tu as marchandé ta vie maintenant. Oh merde, pardon. Tu as marchandé ta vie. Oui, c'est vrai que c'est plus rapide de faire ça de tout l'autre, mais bon. Je préfère faire ça un par un. Ouais, t'es un équipage d'un pirate. D'un pirate. De quoi, c'est Vasco, c'est ça? Bon, bah Vasco, lui, il se pose pas de questions. Putain, attends. Mumba, est-ce que t'es prêt, Mumba? Vas-y, on se re-shoot encore, là. Oui. Oui. Oh, vous avez trop géré! Visez un peu ce que vous avez fait! Ces enfoirés du clan Seoka n'avaient aucune chance! Je suis venu pour toi! Oh, dites-lui que j'oublierai jamais! C'est ça, Mumba, ouais, c'est limite. Yannick m'avait choisi ton sort, soit tu meurs, soit tu quittes ta planète. Je suis pas là pour discuter, lol. Ça, Maxo, il aurait pris ça, t'sais. Yannick m'avait choisi ton sort, soit tu meurs, soit tu quittes ta planète. J'ai mal entendu ou quoi? J'ai mal entendu. Sur une autre planète? Je dois faire mes bagages? Non. C'est pas possible. Sans moi, Yannick est foutu. On avait de grands projets. Vous savez quoi? Parce que c'est notre projet. Yannick va se faire foutre. J'espère que le clan Seoka le chopera et qu'il exécutera cet enfoiré. Et vous, allez vous faire foutre aussi, tiens. Tu vois pas que j'essaie de te sauver la vie? Ah, oh, c'est un véritable honneur de vous connaître et de savoir que vous sauvez ma misérable vie. Bon, Max, en fait, Maxou... Non, mais il m'a mal parlé, hein. Si tu parles mal à Devladette... En plus, tu m'as fait gaspiller un Velocity pour rien, mec, là. Je comprends. Mumba, qu'est-ce qu'on fait? Après, bon, ouais, c'est pas un brigand ou je ne sais quoi. Bon, c'est juste un... C'est bon. Après, tu vas me dire, j'ai tué un innocent chez Madame Sauvage. Hein. Mais ça compte pas, ça. Ça compte pas. Mumba, qu'est-ce qu'on fait, Mumba? Mais après l'autre c'est un connard. Dites quelque chose. Mais ferme-la, kill. Ah oui, tu veux le kill. Mais l'autre c'est un connard en fait, ça qui m'énerve. Juste un gland, ouais. Oh putain. Je crois que le mieux c'est que tu disparaisses pour de bon. Wow. Quoi? Vous voulez me tuer? Ça arrivera pas. Farewell, cloporte. Terrible. Aïe aïe aïe. Non mais on va dire voilà, Devladette a une très mauvaise journée. Hein. Tu m'as mal parlé, t'assumes, hein, voilà. Bon, j'ai voulu faire ça à l'amiable mais bon. Connard. Voilà, du coup Maxou est content, voilà. Ma Maxou a aimé ça. Oh. Rien du coup ici. Non, on se casse. On va parler à l'autre con là, l'autre vendu. Puis on va s'arrêter là. Kill les deux. Ah non mais l'autre ça va être compliqué. L'autre ça va être compliqué. Déjà il y aura trop de témoins. À moins que... Après si je vous trouve tout seul dans la rue quoi que ce soit, là on peut discuter. Je vais bugger le jeu ou pas? Ah non, c'est bon. Yannick le Grand, quoi. Quel sac à merde. Oui? Vous avez réglé le problème de Félix? Je suis certain que vous y avez pris plaisir. Con siècle, le problème réglé, ouais, c'était du sale boulot. Vous savez que. Vous savez ce que les Sioku faisaient à l'entrepôt? Merde! Non, pas du tout. Mais je découvrirai le fin mot de l'histoire. Tu suives l'autre derrière là, un conseil avec le problème réglé. Vous obtenez des résultats, tout comme moi. Enfin, pas autant, j'espère. À présent, voici la nouvelle stratégie d'entreprise. Je suis le patron, et vous êtes mon bras droit de talent qui gagnera une belle récompense. Pigé ? Ouais. Le monde est en train de s'épuiser.
Les clients seront bientôt en colère et c'est ouais. Pour les affaires. On va dire qu'on fait ça pour l'argent. Il nous faut de l'aurore. On peut uniquement en trouver une Xenofresh ficherie. Oh merde. Richard y travaillait. Il y avait un contact secret dont j'ignore l'identité qui lui fournissait de l'aurore. Les chars nous a pas dit quitter son contact. Il prétendait vouloir le protéger. Que c'était mieux que personne le sache. J'avais beau lui mettre la pression, il a jamais rien dit, pas un mot. C'était très frustrant. Ah, comment on fait du coup? J'ai un plan. Il est temps que vous trouviez un emploi chez Xenofresh. Alors à quel point la productivité, ça vous connaît. Putain! Voici de bonnes références. On ne peut plus légitime. Oula! Notre nouveau nom sera. Riley Chernyshevsky. Chernyshevsky. Votre connaissance, Riley. Vous postulez pour bosser dans la production. Vous savez fabriquer des amphètes, non? C'est une recette simple. Tous les candidats doivent connaître les bases de la chimie. Dans ce cas, donc lui va bientôt changer de carrière. Elle est solide, cette identité, au moins? Bien sûr. Identité, que oui. Pardon. Je n'ai prévu que le meilleur pour ce partenariat avec vous. Enfin. On est plutôt en association. Ouais, c'est bien mieux. C'est quoi l'ampli? Non, mais on sait ce que c'est. N'importe qui sait faire de l'ampli, compris moi. Bien sûr. Enfilez votre plus beau costume, Riley. Et faites bonne impression. Le contact de Nechard devrait chercher quelqu'un dans votre genre. Trouvez-le. Ensuite, on engrange de l'aurore. Et à nous les bénéfices. Putain. Pourquoi je travaille pour ce serpent là? Avec ces boissons de merde là, regardez là ces boissons. Bon après j'avoue elles sont de la gueule. Je comprends. C'est le meilleur cocktail des systèmes occupés. Non, pas aujourd'hui. Je m'en tiens à la bière. Bon, comme vous voudrez. Tant pis pour vous. La discussion. Aïe 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 aïe. Ouais ouais, ferme-la, ferme-la. Je suis vénère. J'ai passé une mauvaise journée. J'ai passé une mauvaise journée, Maxou. Bah écoutez, on va s'arrêter là, hein. On a fait d'autres quêtes. Et je pense que demain après, on fera l'entretien avec le roi. Là, c'est le moment, là, c'est le moment de faire ce truc, là. Attends, qu'est-ce qu'on a? Ah non, attendez, est-ce qu'on finit sur ça? Ah, on finit sur ça, excusez-moi. Oui, ça, ok. Ok. Attendez, on finit juste sur ça. On finit juste sur ça, mais avant... Attendez, donnez-moi 10 minutes de plus. Avant d'aller là-bas... Qu'est-ce que c'est? Ouais, Maxou, ouais. Mais moi, son business, je m'en fous, moi, en fait. Son business, bon, c'est de la bite. Bah, ça se trouve, ça lui rapporte beaucoup d'argent, de ça, mais bon... veut vendre des canettes, voilà, quoi. Ah oui, il faut y aller là-bas. Voyager beaucoup dans l'espace. Ah, attendez, ouais. Par contre, faut que je trouve un truc pour calmer Gideon là. Et en plus, attendez, ce con de Gideon là, il est toujours dans l'équipage, c'est bon ou quoi? Il est toujours dans le vaisseau, mais il me fait la gueule. Je veux dire, bah casse-toi. Peut-être on prendra Andrea demain. peut-être on va prendre Andrea, peut-être elle au moins, voilà, peut-être. Ouais, non, elle va me casser les couilles aussi, ouais. Qu'est-ce que vous regardez? Argent. Et bah, Maxou, en parlant d'argent, mon cher Maxou, regarde. Regarde, tu vois, il y a des cargaisons saisies, casser des objets volés. Et là, surtout, mon cher Maxou. Elle est plus en tôle, lui? Il est où? Il est plus là? Ah, il est plus là? Il a disparu. Si je me barre avec 10 manettes sur moi, t'sais. Au revoir, merci. Merci pour le paiement. Il fait la gueule, mais il dit bien que tu comptes le payer. Non, mais il va se faire foutre sur toi. Hein. Ça dirait pas de problème. Ouais, ouais, ouais. Facturer un DP. Attends, regarde Mumba, regarde bien Mumba, regarde, t'es prêt? Regarde. Le Vénator. Regarde bien Mumba, regarde. Regarde, Gideon c'est mort. Attends, tu dégages. Andrea, bienvenue dans l'équipe. Voilà. Dégage.
Le stagiaire là. Et là. Ah, ils s'en foutent hein. Si j'ai 45 mallettes de contre-monde sur moi, tout ça, ils s'en foutent. Par contre, un nanogramme d'aurore, alors là il me plaque au sol là. C'est police. Fuck the police. C'est si lourd. Vasco. Vasco, toi au moins tu poses pas de questions toi hein. Ça fait aucun sens. Putain. On va faire un petit détour à Sanctuary. Ouais. Excusez-moi, puis après on va rendre la quête sur Aquila, puis on va s'arrêter là, voilà. Si je vais déposer ma contrebande, parce que je peux pas aller à Aquila avec ce que j'ai, évidemment. Bibiboop. Même si pas des atours des véritables pionniers de l'espace, mais Slonar revient au RC qui ne peut même pas compter sur le Ranger pour assurer la protection des siens. Hein. Revient au RC. Ok. Bon, toujours rien là, toujours pas le chasseur là. Il est pas là le chasseur. Oui. Au pire, j'ai des 11, je le mets dans un avant-poste paumé. Bon, vas-y, c'est ta punition. Voilà. Bonjour. Ah, par contre, on va avoir un petit problème, je crois, non? Ah non, il y a encore de la place. Ah, oui, 150, oui, ça prend de la place ce truc. Ça prend de la place. Oh nom nom nom. Ah merde, c'est quasi full. Ah, attendez, maintenant la question. La question. C'est est-ce que je peux mettre. Oh. Oui. Ah, peut-être pas non. Est-ce que je peux mettre un autre coffre par-dessus? Oh non, ça marche pas, sérieux? Ah, dommage. Non, on peut pas faire une pile de coffres. Oh. On verra. On verra ça demain. Attends, niveau prime là, je suis comment là? J'ai rien, j'ai pas de bail. J'ai rien. Pour l'instant. Bah j'avoue Maxou, ouais j'avoue. J'avoue. C'est ça pour le CMOT Maxou, le CMOT. Soon. Oui. Oh là 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 là. Regardez-moi ce cousin quoi. Ouais. Regardez-moi ces prises USB dans ces. Oh la taille des prises USB. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Lève-toi, lève-toi. Je vais juste déposer ma merde. Je vendrai ça en neuf, comme d'hab. J'irai à la tanière, Neon City, Aquila, Mars. Tous ces gens qui reprennent ma merde. Ah oui, j'ai 26 armes quand même. J'en ai des conneries. Un max shot. Ah oui, oui, oui. LOL, j'ai droppé une tenue des disciples. Wesh wesh. Mais j'avoue ça c'est quand même un flow hein, cette armure hein. Elle est quand même pas mal hein. Quand même pas mal hein. Bon ça le truc ça je le garde. Et puis c'est tout, hein. Et puis c'est tout. Ok. Ah, André, attends, où est-ce qu'elle est ?
trop brillante et aimer quelque chose. Bah c'est juste ouais, à la limite le masque, même si le masque je l'aime bien, bon c'est dommage qu'on puisse pas genre le... Bonjour, comment allez-vous? Cora, accompagne-moi, je vais te montrer les fils du métier. Tati Devladette va te montrer comment on négocie. À coup de flingue. Alors attendez. Andrea, t'es où? Force? Ah non, ça marche pas? J'ai dit la force? Ah non, ça marche pas là? Oh, aussi. Oh. Bonjour. Je tenais à vous remercier de m'avoir donné cette chance de travailler avec vous. Et c'est pas le moment de parler, Andrea! Je sais que nous avons fait connaissance dans des circonstances. C'est pas le moment de parler! Vous semblez bien vous acclimater à l'ambiance de Constellation. Vous aimez travailler avec eux? Oh, on va finir le live à 21h. La paye n'est pas top, mais les collections sympas, attends, vas-y. Aucun d'entre nous n'est là pour les crédits. En tout cas, bon vous êtes désormais un membre vital de l'organisation. Ça, c'est à mettre à votre crédit. Si je puis me permettre, de ce que vous avez vu, est-ce que vous pensez que j'ai ma place ici? Non, Andrea. Reste de Constellation. Devenons des pirates. Trouver sa place quelque part, c'est surfait. Alors ça, c'est tellement une phrase que Maxou dirait. Bon, parlons-en un peu plus tard. Vous êtes unique, c'est le moins qu'on puisse dire, vas-y. Je n'arrive pas à savoir si c'est un compliment ou une tentative d'évitement. C'est dit. On va dire que c'est un compliment. Zik. J'ai un parcours très différent de celui des autres membres de Constellation. Je me tiens différemment. Zik. J'ai peur que les autres soient incapables de voir au-delà de ça. J'en parle peu, mais tout le monde sait que j'ai longtemps travaillé avec des contrebandiers. La violence et la mort ne me sont pas étrangères. Moi non plus. Vous avez dû bien vous marrer, oulala, c'est... Votre passé n'a pas l'air de trop vous perturber, ouais. Pourquoi pas? J'ai fait ce qu'il fallait pour survivre. C'est rigolo aussi. Je ne serais pas là sans ça. Ceux qui ne l'ont pas vécu peuvent avoir du mal à l'imaginer, ou même l'accepter. D'autres ici ont vécu des conflits, mais pour des causes plus nobles. Vladimir est le seul qui peut prétendre comprendre. C'est lui qui a insisté auprès des autres pour m'accueillir. Je n'ai pas son charme. Il met les gens à l'aise. Je crains que ma présence n'ait l'effet inverse. Faites-moi confiance, éléments de qualité. Vous essayez de raconter plus de blagues, là, histoire de péter un coup, là? Ne vous souciez pas tant que ce que les autres pensent de vous, mais je pense qu'elle va pas aimer si je dis ça. C'est étrange. Bon. Je dois dire que ça n'a jamais été un problème jusque-là. Je sais que ça peut sembler trivial ou enfantin, mais je n'ai jamais pu compter que sur moi-même. Je n'ai jamais été entouré comme ça. Par un groupe dont je veux faire partie. Vous comprenez? J'ai toujours connu la solitude, hein, c'est pas mal ça, je pense que vous dites est enfantin. Les gens m'adorent, alors j'ai jamais eu de problème à m'intégrer. Hein, le premier ou dernier, ouais. Vous devez arrêter de vous inquiéter pour ça. Oui, ouais. Peut-être. Ils m'ont accepté parmi eux, après tout. C'est pas facile de parler de ça. J'espère que vous comprenez mieux pourquoi je voulais rester discrète sur les circonstances de notre rencontre. Je voulais vous remercier de n'avoir rien dit à Vladimir. Vladimir ? Je sais que vous aviez promis de ne pas le faire, mais c'est un soulagement. Je voudrais que mes contributions à Constellation ne soient pas que des actes de violence. C'est important pour vous que je ne dise rien. Vous devez une faire chandelle, bon, peut-être pas non plus. Aussitôt naturel, oui, vas-y. C'est... Pas pour tout le monde. Ouais. Merci d'avoir parlé de tout ça avec moi. Allez, bon, on va tuer des gens. C'est juste dans le flingue. Alors on y va, Andrea. On va tuer des innocents. Bon. Vous avez besoin de quelque chose? Vous avez quelque chose d'intéressant pour moi, Andrea? Oui, en effet. Tenez, pour vous. Oh non, allez, on y retourne. Je suis à vos côtés. Attends, par contre, qu'est-ce que t'as comme arme? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez voir ce que je transporte? Putain, mais elle, j'aurais dû tellement lui donner un pistolet silencieux, là. Ah, je l'ai plus, ce flingue. Enfin, il est sur Sanctuary, là. Ah, mais il est à côté, en fait, on est toujours sur Sanctuary. Oh, mais j'ai la flemme. Il se fait tard, attendez.
C'est quoi tes bonus déjà, ma chandra? Activité, rayon en particules. Système arme à énergie, vol. Et rayon en particules, ah oui d'accord, tu te bats avec ça. Rayon en particules. Rayon en particules, c'est quoi? Les armes à rayon en particules. Ouais. Ouais, j'ai un peu de mal à voir entre rayon en particulier et énergie, enfin bref. Cassos. On se casse. Attends, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non mais... Quoi? Ok, il y a un problème là. Nous avons un problème technique. Qu'est-ce que tu me fais? Vous n'avez pas exploré toutes les systèmes de cette route. Mais t'es con ou quoi? On connaît la route! J'ai déjà pris l'autoroute pour aller là-bas, me casse pas les couilles! C'est quoi, il y a les aliens sur le chemin, c'est ça? Voilà, merci! Bon. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous transportez la contrebande. Comment ça? Hein? J'ai pas de contrebande, j'ai déposé. Mumba, qu'est-ce que t'as fait Mumba? Mais l'autre con m'a donné de l'horreur, c'est ça? On m'a donné de l'horreur, non? Bah non? Non, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est dans le vaisseau, c'est ça? What the fuck is shit? Pourquoi j'ai ça? Mais... Ah! Quoi? Ah peut-être parce que c'est pas rentré dans le coffre? Shit, attendez. Bordel, attendez, c'est où pour sortir de là déjà? C'est là. Re, ma soeur Chocobo. Oui, je suis toujours en live, oui. On a presque fini. Et ça n'est pas ces trucs, ma soeur Chocobo. Ça me dit pas parce que le coffre est full. Oh. Ça semble qu'il y a saboteur dans ton équipe, ouais. Non, tout simplement, tout simplement... C'est un cadeau de Gileon, tu sais. Non, normalement, je me semblais avoir tout déposé, quoi. C'est ça qui est bizarre. Qu'est-ce qu'il se passe? Ah non, c'est ça, c'est que c'est full. C'est pour ça, merde. Bon bah, ouais, l'autre coffre... Il a besoin de soutien. Quoi, il faut que je le rassure, c'est ça? Mais c'est moi, je mets ça à côté. Et en plus, là, pour mettre des fixations, là, ça va être une merde. Étage armural. Oh, quoique. Alors peut-être. Alors peut-être. Je sais pas si ça va passer. Oh parfait. Oh oui. Bon, le poster derrière ne sert plus à rien, mais oh oui. Magnifique. Ouais bon, c'est quelque chose, hein. Ah par contre, le poster derrière là. Déplacé. What the fuck? Je le mets là. Non. Je peux pas le coller là, non? Là. Et hop. Merde, attends. Attendez. Mais je dois aller manger, mais oui, mais j'ai envie de jouer, moi, les gens, j'ai envie de jouer. Mais pourquoi je bosse? On peut faire des plantes, je crois, non? M'oublier peut-être? Est-ce que je mets une petite plante? Oh Mumba, où est la plante? Décoration peut-être? Plante en pot. Ah non mais what the fuck, c'est quoi ces trucs? Ah, on peut avoir ces plantes du coup, ah, trop bien. Oh oui. Oh mais non mais le truc que je cherche, je crois que c'est pas là-dedans que je vais chercher. Putain, il faut que je la ramène ça de mon vaisseau. Nick, on verra ça demain. Bon, on va peut-être faire quelque chose de notre contrebande, hein.
Touchez pas ma contrebande. C'est compris? Sinon je vous retrouve. Ah bah tiens, ça me fait penser au passage. Qu'est-ce que je vais lui donner? Je vais te... Ah non mais c'est... Ouais non mais c'est vrai qu'elle aime les trucs à particules. Yep. Tiens, Andrea, c'est ton petit cadeau. C'est qui le con qui a fait des plans de vaisseau? Je me perds tout le temps, mais c'est moi qui a fait... Ta gueule! Ah, après... Après Maxou, pour la défense du Vénateur, je peux te garantir... Et ça, je pense que Mumba Masashiko peut... confirmer mes dires... Mais le Kepler du vaisseau de la quête de Walter qu'ils m'ont donné, le Kepler, mais c'est un putain de labyrinthe le vaisseau, hein. Infernal, hein. Mais après, en même temps, voilà, le Vénateur, c'est moi qui l'ai construit, donc je sais pas... Andrea? Tu m'empêches de monter? Tu m'empêches de monter, c'est ça? Quelque chose ne va pas? Si je peux pas. Ah voilà, le Vénateur, c'est moi qui l'ai construit, donc je sais à peu près où faut que j'aille, quoi. Ma chère Andrea, je te donne ce petit pistolet, voilà. Bon, c'est peut-être pas ton arme favorite, mais crois-moi, c'est une très bonne arme. Je te donne un peu de munitions. The calibre... Putain, j'en ai pas beaucoup. 32 munitions, ça te suffira. Allez, oui, on y va. Non, le Kepler, c'est une œuvre architecturale, ouais. Non, mais oh, le bousin, quoi. Oh, le caisson volant, quoi. Bon, est-ce qu'on peut en finir cette quête? Un jour. Il faut qu'on aille manger, quand même. C'est parti. Puis je vous dis, ouais, demain après, on fera la quête d'Alpha Écarlate. Vraiment qu'on fasse ça. Depuis le temps qu'ils attendent. Ouais, c'est censé être le Texas ici. Bon, j'ai rangé mon chapeau, désolé. Il a dû se mettre encore plus loin, quoi. Laissez-moi passer. Bonjour, madame. Nous devons vraiment être plus malins et plus efficaces dans notre façon de gérer les achats. Bonjour, comment ça va? Ça se passe bien? Bon, si tu savais... Les Ajda sont redoutables. Mais ferme-la, toi, la meuf à droite, là. Les unités, non, je les cherche, moi. Eh bien, si c'est ce qui vous anime. Moi, j'ai eu ma dose pour toute une vie. Ici, les choses se sont améliorées. Ce n'est plus aussi tendu entre Davis et moi. Nous ne serons probablement jamais amis, mais au moins nous nous parlons. Je pense qu'il comprend enfin l'intérêt de mes recherches. Vous êtes vraiment têtus tous les deux. Ouais, c'est bon de voir, vous entendez bien, ouais. Non, mais je veux dire ça plutôt, ouais. Je sais bien, je pense que nous nous en sommes rendus compte et nous essayons de mettre ça derrière nous. D'ailleurs, en parlant de Davis, je dois avouer que je me fais du souci pour lui. Ma rémunération, là. En analysant les données récentes, j'ai isolé des relevés indiquant que quelqu'un partait en patrouille bien plus souvent que par le passé. Je n'ai pas de preuves concrètes, mais ça doit être Davis. C'est forcément lui. J'ai peur que tout ce que je lui ai fait malencontreusement subir l'ait poussé à bout. Du moins, un peu trop loin. Bah, si vous inquiétez vraiment pour lui, voilà, vous allez lui parler. J'ai réalisé que ma présence entraînait une réaction émotionnelle chez Davis. Nous nous parlons, mais il se crispe toujours. Je ne veux pas aggraver les choses. Je suis plus à l'aise avec les statistiques et les circuits imprimés qu'avec les gens. J'ai déjà mis le bazar dans cette quête, on la finira jamais, putain! Ne serait-ce que pour soulager ma conscience. Davis! Donnez-moi le loot! Oh merde, ah oui. Oui, Maxou, tu te rappelles ici, Maxou, tu te rappelles. Ça ne marche pas, Maxou. Bon. Le dash ne cancel pas la chute. Donc non, Maxou, non! Hop là.
J'arrive pas à croire que Bailey ait fait un truc aussi débile. Bon, par contre, lui là, faudra peut-être faire quelque chose de ça là. Par contre, il est si lourd, il fait 300 kilos le machin. Allô, Davis. Allô. Oh Seigneur, comment se fait-il qu'à chaque fois que je vois votre tête, je suis monté une migraine. Mais comment ça? Et du coup, ouais, c'est, cette voix me disait quelque chose. Oui, c'est la voix du comment ça s'appelle là, du pote de Mando, là, The Mandalorian, là. Son pote là, qui tenait la ville là. Ou même au tout début là, qui lui donnait des contrats, voilà, j'ai oublié son nom, mais bon, le major, major machin là, c'est lui là, c'est pour ça que cette DF me disait quelque chose. David, je souffre. On me le dit souvent. Ça ne me surprend pas. Que puis-je faire pour vous? L'argent. Kioni, parce que vous passez trop de temps patrouille, le temps que vous passez en dehors des murs nous inquiète. Si vous voulez mourir, des méthodes plus simples que se laisser dévorer par les acheteurs, oui carrément quoi. Ouais, non, Kioni s'inquiète pour vous. Et voilà la migraine. Oh, c'est une bonne femme. Même si nous avons réussi à mettre nos différents côtés, elle parvient encore à trouver la corde sensible sans même le vouloir. Et Kioni, cherche pas à saboter votre travail. Vas-y, on va essayer de les... Je sais bien. On va essayer d'arranger ça. Qui en ville, j'y croyais pas. Mais elle a été honnête et franche. Lorsqu'on est sortis tous les deux et qu'on a trouvé ce robot, ça m'a fait un choc. J'arrive toujours pas à croire que c'est l'un des miens qui a pu faire ça, qui nous a tous mis en danger. Plus j'y ai réfléchi, plus j'ai compris que toute cette histoire n'explique pas certaines des traces que j'ai vues là-bas. Trop large, trop écartées. Oh putain, non, mais non. Vous êtes en train de me dire qu'il y a un rancor, c'est ça? Vous pensez qu'il y a une autre créature dans le coin? C'est bien ce qui me fait peur. Oh, s'il y a un hashtag plus gros que la... Oh là là, le hashtag alpha. Parce que ce qu'on connaît, je dois le savoir. Si vous et Kioni vous inquiétez, pourquoi ne pas m'accompagner? Soit j'ai quelqu'un pour m'aider en cas de combat, soit vous pourrez vous moquer d'un vieil homme et de ses lubies. Prenez le temps de vous équiper, si besoin. Et n'oubliez pas votre plus gros calibre, au cas où. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça ou pas? Ou est-ce qu'on on en reste là? Il va y avoir une barre de boss et te tuer en un coup, c'est... Est-ce qu'on y va tout de suite? Ou est-ce qu'on se réserve ça pour demain là? Parce que là, c'est pas qu'il est 20h07. C'est vous qui décidez les viewers. C'est vous. C'est vous qui décidez. Cette quête est interminable. Demain. Comment ça, Mumba? Et si on occupe à quelques affaires. Faut que je mange aussi, allez vas-y. Bon. Vous savez où me trouver. Ouais, on va s'arrêter là parce que bon. Désolé Twitch, désolé YouTube, mais il est 20h passé. Normalement je finis à 19h d'habitude, donc vous voyez là. Putain, mais pitié quoi. Mais mettez des mines partout, Davis. Mettez des mines autour là. Bref. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura plu. Il s'en est passé des conneries. On a perdu Gideon. Gideon qui boude, mais bon, Gideon là, c'est un troufion. Hein. C'est un troufion. Et du coup, je vous donne rendez-vous demain vers voilà, 16h30, 17h comme d'habitude pour la suite des aventures des Vladettes dans le monde de Starfield. Voilà. Allez, merci à vous, bon appétit, bonne soirée. Et à plus, bye bye. Tu vois, Davis, regarde, Davis, c'est pas compliqué pour tuer un Ashta. Tu fais ça, Davis. Tu lances des grenades. Qu'est-ce que Andrea, t'en veux aussi, t'en veux? T'en veux? Vous en voulez? Vous en voulez?